Yo les potes Sensu, nouvelle vidéo. On va ouvrir beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire plaisir. Alors, tout d'abord, hop, on a un coffret Chifours point final. Donc la nouvelle extension. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a après. On a également Chifours 1000 points. Voilà. On a aussi ceci. Il y a trois cartes à l'intérieur. Je vais vous montrer après. Et aussi ceci, un magazine de Mickey avec Pokémon, un petit booster, hop, et on a un poster, mais ça c'est en bonus, je vous le montre, hop, il est grand, hop, et derrière, voilà, je l'afficherai dans ma chambre, je pense, hop, on va commencer par quoi je pense qu'on va commencer par ça, non, les cartes d'abord, ça, hop. Ah, yeah. Ok, je vais vraiment pas les abîmer. J'ai pas trouvé le classeur, les gars. Donc il y a un classeur pour ranger les grosses cartes avec un Pikachu dedans. Je l'ai pas trouvé. Hop, ça, je sais pas c'est quoi. Hop, on s'en fout. Ça va aller à la poubelle. Hop, c'est carré. Du coup, on a trois cartes. En gros, c'est les starters. Et normalement, tous les mois, on les trouvera. Donc c'est dans les magasins. Et puis, c'est à partir de 25 euros d'achat. Vous pouvez les avoir. Donc tous les mois, il y aura les starters jusqu'à la première génération qui sera en dernière. Et le dernier, voilà. Hop. Donc c'est des cartes promo et vous voyez en bas, Sword and Shield 001 jusqu'à, voilà. Hop, je vais les mettre un peu loin. Hop. On va ouvrir ceci. Hop là. D'abord, on a un magazine que je vais lire, je pense. Hop, je vais mettre là-bas. On a Force et Attrape. Clairement, ça, je m'en fous un peu. Peut-être ça, c'est bien. Ça électrocute, je pense. Mais après, sinon, en vrai, c'est vraiment pas pour ça que j'ai acheté. Mais c'est pour ça. Voilà. Parce que je me suis dit que c'était, en vrai, c'était plutôt cool. Parce que j'avais jamais vu des boosters de 3 packs, à part à l'époque. Du coup, là, on en a un style de combat. Je vais l'ouvrir, en vrai. Je pourrais le garder scellé. Je vais l'ouvrir, Je vais garder le booster vide. Et puis si jamais j'en veux un scellé, j'irai en racheter un. Mais au moins, les gars, ça va vous permettre de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir, etc. Hop. Oh. Attendez, je vais regarder ce que c'est. Ok, je peux vous montrer. C'est un petit livret. Voilà. C'est vraiment pas ouf. Et on a trois cartes, j'ai l'impression. Hop. Je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Alors, on a déjà Electek. Ok, donc c'est la collection de base, normale. Ok. On a un Chetiflore. Et une Reverse. Ok. Je pense que vous aurez ça dans tous les paquets de 3 cartes. Donc, 2 cartes. Je sais pas si vous allez avoir des communes ou des pokémon. Moi, j'ai eu 2 communes avec une Reverse. Donc, vous pourrez avoir des rares Reverse, je pense. Donc, c'est pas mal. Du coup, voilà, je l'ai bien laissé sceller. Enfin... décelé, bref, vous avez capté. Et on passe tout de suite au plus important, les deux packs. Je vais ouvrir le bleu en dernier. Alors, hop, ya, yeah. Hop, le pack est vide. Je le balance là-bas. Hop. Hop, hop, hop. On a quoi? Une carte jumbo. Donc Chifours, point final. La carte n'est pas en feu. C'est ce type-là. Les deux sont de ce type. Mais celle-là, c'est point final. Et ici, bon, je vais les laisser là. Comme ça, je les mettrai dans mon classeur après. On a une énergie, donc c'est celle-là, en reverse, donc c'est celle de la collection de base, c'est pas une promo. Donc ceux qui l'ont pas en reverse, ça vous l'avez. Et la même carte en petit. Hop, je vais jeter ça là-bas. Le code, s'il est utilisé, vous savez pourquoi. Et what the fuck, je savais pas. Oh, je savais pas. Putain, ok, bah c'est pas grave. Donc on a deux styles de combat. Ténèbres embrasées et Ultra Prisme. Je pensais qu'on allait en avoir 4. Putain, je me suis fait bait. En vrai, c'est pas grave. Ça fait de la diversité. Et dans tous les cas,
Dans tous les cas, cette collection, j'ai pas envie de la compléter à 100%. Genre, j'ai pas envie de la collectionner. Mais c'est surtout pour la nouveauté, et puis j'avais un petit peu d'argent. Donc je l'ai pris. Alors, on allait de là, les gars. Donc c'est même type, sauf que c'est 1000 points. Avec l'énergie en reverse, c'est pas la même. Hop. Donc voilà, en grand. Je vais la mettre avec l'autre. Et du coup, les mêmes packs. C'est exactement les mêmes. Ok. On va les classer. Bang bang. Et on a le code s'il est utilisé. You know why. Hop là, c'est parti. On a 8 packs. On commence avec l'Ultra Prisme, Soleil et Lune. Hop. Soleil et Lune, ça date un peu. Ne pas vous mytho. Mais moi, c'était mon jeu préféré. Dites-moi en commentaire votre jeu vidéo préféré. Moi, c'est Soleil et Lune. Et à l'époque, sur DS Platine. Hop. Allez, 1, 2, 3, c'est 4, Soleil et Lune. J'espère qu'on va avoir une petite ultra. Normalement, je pense pas, mais au moins une, ça serait déjà bien. Énergie, métal. Lockpin. Corbosse. Fossile inconnu. Tritox. Neuneuf. Yanma. Beaudrive. Mustéboué, la première reverse. On a. Oh, Motismaëlis. C'est une rare, elle est vraiment belle. Et on finit avec un petit Elekable en rare. Pourri. Hop. On continue. C'est parti. En vrai, dans cette extension, je sais pas s'il y a des belles cartes. Donc, peu importe. Hop là. 4. Hop. Énergie ténèbres. Carmash, Flo, Primplouf, oh j'aime bien lui, Lixi, Vortante. Vous voyez, on dirait qu'il y a du brillant alors qu'au final il y a juste une rare. Cornèbre, Magnéti, non bon là ça brille beaucoup. Mais je crois qu'il y a vraiment rien en plus, c'est vraiment ça le pire. Blitzy, Mustéboué et Hippodocus, je vous l'avais dit. Donc ça brille mais il n'y a rien. Hop, donc Ultra Prisme c'est fini, on continue avec Ténèbres Embrasées. Donc ça c'est épée et bouclier. Wesh, le pack il se déchire à ultra simplement. Le code. 1, 2, 3, 4. Attends d'ailleurs, les codes de épée et bouclier, ils étaient verts. Ils sont tous blancs. En France, je crois, il n'y a pas de différence. Énergie électrique. Fortifant Turbo. Et flèche. Et tourvol. Charibari. Soloshi. Flamajou. Wat Wat. Snubbull, Barpo et Darkrai Holo. Ok, c'est mieux que rien, on va pas se mytho, mais c'est pas ouf. Hop. Non, je vais pas les poser dessus. Hop, comme ça je pourrais mettre chacun d'un côté. Ils se déchirent vraiment facilement par contre. C'est cool sans être cool. Hop. 3, 4. Je suis pas très bavard, désolé. Énergie. Oh punaise, j'ai vu un truc. Ténèbres. Clic. Feuilleton. Mais là par contre, je me suis spoil comme un malade. Rondoudou. Quanton. Carabing. Darumaon. Ambrilex. Flotajou. Feuillajou. Et on finit avec Scolossandre V. Full art. Pas de réaction, les gars, parce que ça m'intéresse pas. Genre, en vrai, elle est belle. Et je l'ai jamais vu, je crois, sur des vidéos. Donc c'est cool. J'ai pas de protège carte d'ailleurs. Je mettrai dans mon classeur après. Mais bon, moi ça m'intéressait pas. On a 4 packs. On va faire dans l'ordre. Hop. Allez, c'est parti. Moi je réagis, les gars, vous le savez de toute façon. Je réagis que quand il y a des cartes, mais vraiment de malade. Quand j'ai des full art DV, je réagis pas. Moi, pour que je réagisse, faut vraiment que j'ai une secrète ou voilà. Enfin, genre si j'ai une gold, une arc-en-ciel. Ou quoi d'autre? Genre des shiny. Non, même les shiny, je réagis pas. Voilà. Allez. J'aimerais bien avoir une ultra rare dans style de combat. Elles sont vraiment belles, les cartes. Énergie, machin. Tour de je sais pas quoi. Concentration. Chaffreux.
Electek, Psystigris, Charpentier, Ramolos de Galar, Écrapince, Grotichon et Entei. Holo, c'est mieux que rien. On va comparer d'ailleurs les gars. Hop. Alors ça c'est la carte que j'ai eu dans les boosters de 10 cartes et ça c'est Electek que j'ai eu dans les boosters de 3 cartes. C'est exactement la même. Ok, donc ça vous prouve que les boosters de 3 cartes, ils servent entre guillemets pas à grand chose. Enfin en fait, ça dépend. Parce que les boosters de 3 cartes, ils peuvent t'aider à compléter ta collection, genre s'il te manque des cartes communes ou peu communes. Mais ça dépend où est-ce que tu les trouves. Genre moi, je l'ai eu pour 3€. Donc c'est un peu cher, mais ça va. Hop. 4. Allez. Une petite ultra, ça serait bien. Énergie, feu. Coléodome. Oui, messire. Colomar. Archéomyr. Cornèbre. Hippotrempe. Cerebou. Excellang. Luxio. Et Malamandre. Pas ouf, pas ouf. Pourtant, on peut avoir des bonnes cartes dans cette extension. Et normalement, on peut avoir beaucoup de chance facilement. On va voir si j'en aurai. Pop. 1, 2, 3, 4. Tututu. Énergie ténèbres. Corde sortie. Gros Ray. Luxio. Voltoutou. Excellang. Nosferapti. Remoraid. Onyx. Betochef. Et Mastouf. Une V, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est nul. J'ai dit c'est pas mal, mais c'est nul. En fait, c'est mieux que rien. Mais c'est sûr que j'aurais préféré avoir une belle. Attends, elle est encore dans le champ. Une belle full art là de Chifours 1000 points là ou point final. Bon, il reste un booster, on va pas désespérer. Venez, je vous l'ouvre à l'envers pour le fun. Énergie, herbe, Spectra, Vortante, Raspasse de Pique, Charpentier, Ramolos de Galar, Écrapince, Troxy, je sais pas quoi, Trop Tritox, Charbi, Ouvrifière et Dolmon. Bon, ça m'a pas donné beaucoup de chance de l'ouvrir à l'envers, je vais pas vous mytho. Du coup, résumé de cette vidéo. Hop. Et hop. Franchement, c'est pas mal. Franchement, la Scolosondre, elle est vraiment belle. Mais bon. Du coup, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Ciao.